Ok, donc Vinted, c'est devenu un passe-temps en fait. T'as la bonne copine qui accepte de faire le mannequin photo pour les articles, le petit legging, le petit top. Ou alors t'as des photos approximatives prises devant un miroir, tête coupée. Il y en a, faut les arrêter, ils vont sur Vinted pour vendre une paire de chaussettes Hello Kitty boulochées à 4€. Commentaire, portez seulement une seule fois. Mais c'est une seule fois de trop déjà. Putain, 4€, je vais faire une bonne affaire. Hein. L'emballage, il est toujours improbable. Tu pars à la recherche d'un ancien emballage pour refaire un nouvel emballage avec du vieux scotch. T'y passes 3 heures parce que tu trouves jamais la trace là. Putain de merde, mais c'est pas possible, il est où ce putain de boule, hein, sans déconner. Après, faut faire 18 bornes pour trouver un point relais ouvert. Entre l'emballage et le carburant, t'as dépensé 17€ pour un legging à 6. Donc c'est pas une affaire du tout, c'est une perte, c'est un déficit, c'est la banqueroute là. Tu veux un jean ou des chaussettes à 5€, tu vas chez H&M ou Primark. Pour 9€ là-bas, t'en as 10 paires de chaussettes. Les photos, faites un effort, il y en a, on a l'impression ils ont pas envie de vendre. Sans déconner, l'article il est pas déplié, posé sur un lave-linge, dans le noir. Un cendrier plein en second plan. Non mais putain les gars. Quand on vous demande plusieurs photos de l'article, souvent c'est des chaussures. C'est pas pour l'acheter, c'est des fétichistes. Ils ont un problème avec les orteils. Quand tu mets livraison en main propre, il y a ceux qui t'envoient « Bonjour, je peux passer pour l'essayer ?» Bien sûr, chez moi c'est un Zara. Il y a des cabines d'essayage, plein le salon. Et puis pendant que t'essayes les fringues, je te prépare une quiche. Tu restes dîner. Non, t'es sérieux mec? Bah non connard, dégage de là. T'as ceux, ils ont cru que Vinted c'était un souk ou du troc. T'affiches un manteau à 300€, le gars t'écrit « Bonjour, j'adore le manteau, je vous en propose 120€. » Et ben moi je te propose d'aller... Tu vois, je suis énervé là. Et ben moi je te propose d'aller t'étouffer avec un bâton de réglisse. Qu'est-ce que t'as pas compris dans 300€? T'as aussi ceux qui t'écrivent « J'adore le manteau, possible échange contre une centrale vapeur ou une remorque pour tracteur tondeuse ?» Donc à vous, je vous propose d'allumer la centrale vapeur, de vous coller le fer sur le visage et de vous repasser. Les conversations que t'as avec les gens sur la messagerie interne de l'appli, il y en a, t'as l'impression, c'est les gens de ta famille. Et te raconte sa life pour un haut à 12€. Je vais être en retard à cause du marché de Noël, je trouve pas de place, c'est la galère cette rue. Mais je m'en bats les couilles. Désolé, ma fille a la gastro et en ce moment, nous sommes en train de faire une véranda pour agrandir la maison. Et là, mais cassez-vous là. Oh, t'as cru que t'étais dans C'est mon choix? Je suis Evelyne Thomas moi. Les négociateurs de prix aussi là, qui forcent. Jusqu'à que tu cèdes, tous les deux jours. 8€, 7€, 6€. Et nique ta mère, toi. Ceux qui t'envoient la caractéristique produit, ils ont cru que t'étais une vendeuse des Galeries Lafayette. Bonjour, ce pull a-t-il des manches classiques ou des manches chauve-souris? Si c'est le cas, veuillez me prendre la mesure d'une aisselle à l'autre en centimètres. C'est trop long! Ainsi que la mesure totale de la longueur du col de ce pull jusqu'au dos en centimètres. Mais, je suis tailleur, moi?